بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 22 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre dans R au carré le système suivant. Ln x au carré fois y au cube est égal à moins 4. Ln x au cube sur y à la puissance 4 qui est égal à 11. Réponse. Soit le système alpha ln x au carré fois y au cube égale à moins 4 ln x au cube sur y à la puissance 4 est égal à 11. Avant de commencer la résolution de ce système, on va déterminer le domaine de définition de ce système. Déterminant D de alpha. D de alpha, c'est l'ensemble des couples XY qui appartiennent à R au carré, tel que ce système a un sens ou bien ce système existe. Il existe si x au carré fois y à la puissance 3 est un nombre strictement positif et en même temps x au cube sur y à la puissance 4 soit strictement positif. Ceci est égal à l'ensemble des xy qui appartient à r au carré tel que x au carré fois y au cube positif, donc je peux l'écrire comme étant xy, le tout au carré fois y, soit strictement positif. Et pour l'autre, bon, x sur y au carré, le tout au carré fois x doit être strictement positif. Ceci est égal à l'ensemble des xy qui appartiennent à r au carré, tel que, bon, vous savez que xy, le tout au carré, est un nombre positif. Donc, ce produit est strictement positif si, bien sûr, x différent de 0 et, en même temps, y doit être strictement positif. Pour l'autre condition, x au carré, x sur y au carré, le tout au carré, fois x strictement positif, il faut que y différent de 0 et x doit être strictement positif. Donc, suivant ces conditions, le domaine de définition, c'est R étoile plus le tout au carré. Il faut que x soit strictement positif et y soit strictement positif. Maintenant, on va résoudre ce système dans son domaine de définition. Soit le couple XY qui appartient à R étoile plus le tout au carré. On a, puis j'écris encore une fois mon système, c'est ln x au carré fois y au cube est égal à 4. Puis ln x au cube sur y à la puissance 4 est égal à 11. Ici, j'applique la formule ln a fois b, c'est ln a plus ln b. Et ln a sur b, c'est ln a moins ln b. Donc, ceci implique que ln x au carré plus ln y au cube est égal à 4. Et pour l'autre, ln x au cube moins ln y à la puissance 4 est égal à 11. Ln a à la puissance n, c'est n ln a.
Donc ça donne 2 ln x plus 3 ln y est égal à 4. L'autre, c'est 3 ln x moins 4 ln y est égal à 11, puisque x et y sont deux éléments strictement positifs. Et il est maintenant positif, c'est dire ln de la valeur absolue de x, maintenant dire ln de la valeur absolue de y. Ni ou moins positif, donc je sais pourquoi j'écris directement 2 ln x plus 3 ln y est égal à 4, 3 ln x moins 4 ln y est égal à 11. Et maintenant, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire. Donc, je vais multiplier ici par 3, ici par moins 2. Ça donne 6 ln x plus 9 ln y est égal à 12. Et ici, on a moins 6 ln x plus 8 ln y. 11 fois moins 2, c'est moins 22. Ceci implique que 9 plus 8, c'est 17 ln y. 12 moins 22, c'est moins 10. Donc, je vais m'assurer ici, est-ce que j'ai 4 ou moins 4? Bon, ici, c'est moins 4, c'est pas 4. Donc, moins 4. Donc, c'est une sahaya de coulon. Elle a dit moins 4. Moins 4. Ici, encore moins 4. Puis, l'autre page, c'est une autre sahaya. Moins 4. Donc, si je multiplie par 3, ça donne moins 12. Donc, moins 12 plus moins 22, c'est moins 34. Quand je vais dire, moins 34. Et ici, d'accord, le moins. Donc, ça donne ln y est égal à moins 34 sur 17, c'est moins 2. Donc, y est égal à e à la puissance moins 2. Ça implique que y, si vous voulez, c'est 1 sur e au carré. On a. Puis, je refais la méthode de combinaison linéaire pour trouver x. On a 2 ln x plus 3 ln y est égal à moins 4. La deuxième ligne, c'est 3 ln x moins 4 ln y est égal à 11. Je multiplie ici par 4 et je multiplie ici par 3. Ceci implique que 8 ln x plus 12 ln y est égal à moins 16. 9 ln x moins 12 ln y est égal à 33. 3 fois 11, c'est 33. Je somme les deux égalités membre à membre. Ça donne 17 ln x moins 16 plus 3. 33, c'est 17. Donc ln x est égal à 1. 1, c'est ln e. Donc x est égal à e. Conclusion. L'ensemble solution de notre système, c'est le singleton formé par le couple 1 sur e au carré. Bon, x d'abord. X, c'est e. E, y, c'est 1 sur e au carré. Car ce couple, bien sûr, il appartient à R étoile plus le tout au carré, c'est-à-dire le domaine de définition de notre système. Donc cet exercice est terminé.
Il a été préparé par le professeur Lassif Abdou du collège Bourse Études, Marrakech. À très bientôt.